Guyane, actualité. Peut-être 3 ou 4 fois. Ah oui, quand même, d'accord. Quand tu, même. Connais, tu connais bien, en fait. C'est bon. Ok. Ça date quand même. C'est en direct ? Ouais. Ah, ok. Bon, ben, on est en direct. En direct avec Oswald. Bonsoir. Yes, bonsoir. Welcome. Bon retour en Guyane, parce que ah, c'est ouais, pas la première ça fois. Ça date quand même. Ça date quand même. Donc, je suis content d'être là. C'était quand la dernière fois ? La dernière fois, il y a quoi ? Il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans, avant, voilà, avant le Covid, juste avant le Covid. Quoi. Oswald, en 2 ans, là tu vas être en concert à 2 reprises, Saint-Laurent-du-Maroni vendredi soir au Kumaru et samedi soir au Grand Blanc. Exact. En 2 ans, c'est juste l'explosion, le succès. En 2 ans, bon, je voulais quand même faire pas mal de choses parce que bon, et par rapport au Covid, je voulais quand même être présent, bien que la plupart des artistes, on savait très bien que sortir en titre, ça n'allait pas être avantageux vu qu'on ne pouvait pas tourner, on ne pouvait pas vraiment faire de prestations. Mais j'ai quand même occupé les réseaux, donc du coup, ouais, je pense que les gens, il y a l'attente, il y a tout ça. Il y en a qui sont restés sur le carreau à danser. Ah, exactement, tout le monde est resté sur un carreau. Donc pour moi, je pense que c'est ce qui a fait mon petit chemin, quoi. Alors là, c'est dans le cadre d'une tournée de plusieurs dates, c'est ça, le passage en Guyane ? Normalement, on devait partir en tournée aux États-Unis, mais malheureusement par rapport aux visas qui ne sont pas arrivés à temps pour le groupe. Donc du coup, là, on a pas mal de dates programmées aux Antilles. Ouais. Donc là, on a fait la Guadeloupe il y a quelques jours, et là, on fait la Guyane. Tu es dans quel état d'esprit là ? Tu seras avec Kai samedi soir, tu seras également au Kumaru pour une grosse soirée. Yes. Yes. Honnêtement, je suis motivé. Parce que bon, comme ça date, ça fait un moment. En plus, Kai, c'est la famille. Donc vraiment, on va juste s'ambiancer et mettre les gens dans le mood, quoi. Tous les plus gros succès, les plus gros hits. Mes plus gros hits. Bon, le premier, ça reste quand même Solo. Ralenti, il y a Sur un carreau, T'en aller avec Stony. Tidoudou qui tourne très bien en ce moment. Il y a Toxic aussi. Et le dernier single que j'ai sorti, Maozo. Au mois de mars. Au mois de mars. Également demain sur Radio Pays, demain soir avec Leonardo. Je serai présent, retrouvez-moi demain. C'est à 19h alors, Leonardo, 19h c'est bien ça. 19h ça sera en direct, en exclusivité sur Radio Pays. Merci ouais. beaucoup de nous avoir accordé cette première action. Le voyage ça s'est bien passé? Oui, bon, un petit peu long quand même mais, mais on est bien arrivé. Toujours long. Je voulais juste confirmer que je suis bien là, comme vous voyez, je suis là. Donc rendez-vous vendredi et samedi soir. C'est full ou il y a encore des places? Il y a encore des places, donc je pense que sur les réseaux, ils ont toutes les informations sur les flyers aussi, donc il faut juste appeler le numéro et réserver vos places. Oui. Je pense que les gens, ils attendaient de voir si vraiment on était sur place. Oui, parce qu'on a eu Kalash, la mauvaise, au mois de mars, il devait être là, puis finalement, ouais. le mauvais temps et tout, mais toi, t'es bien là, en chair ouais. et en os, exact. Et prêt avec la voix et tout. Exactement. Motivé, on est chaud. Merci beaucoup Oswald pour cet entretien sur Radio Pays. À demain avec Leonardo dès 19h et vendredi soir. Le Kumaru à Saint-Laurent-du-Maroni et samedi soir, le Grand Blanc à Macouria. Exactement. Qui est-ce ça ? Je vous attends. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.